Assalamu alaikum, mes concitoyens. Assalamu alaikum à tous les militants du Parti démocratique sénégalais, d'Italie et du monde. Je suis le frère Abdou Khadr Djokhane. Je suis le secrétaire national du PDS, mais je suis aussi un responsable du parti et des mouvements de soutien au niveau de l'Italie. Je suis aussi une déclaration que je suis tenu à cœur de le faire. Ndax aussi dañu am ay responsable yu nek Sénégal am ay kilifa ci parti bi sunu secrétaire général national Maître Abdoulaye mais aussi am sunu candidat muy le frère président Karim Wade ñu nek di liguey au niveau de l'Italie depuis pas mal d'années tay à notre grande surprise ñu gis né amna sunu ben confrère sunu frère hein, président de section du PDS d'Italie ci dëkk bu ñox Brescia muy le frère mo def une déclaration bo xamanteni dafa engager presque toute l'Italie après une discussion aussi ben panel de son opinion vraiment mu nek luñu déplorer et nous le condamnons fermement en tant que responsable déjà au niveau du secrétaire national mais aussi en tant que responsable du Parti démocratique sénégalais au niveau de l'Italie ndax tay je pense que l'information def une bombe c'est-à-dire que l'Italie li moy son yéné moy son objectif alors que limu wax ça l'engage que lui. Je pense très bien que d'ici quelques heures ou quelques minutes, la Fédération PDS d'Italie fera un communiqué pour démentir ça, parce que je pense très bien que l'instance fédérale bi n'a jamais soumis une telle décision ou une telle discussion au sein de leur bureau de responsabilité. Rawatina ñun ñi nga xamanteni aussi, on est engagé pour le Parti démocratique sénégalais à travers nos mouvements de soutien. Nous réunir dans des cadres bari di ligay fi ci Italie ikat ci bek ci nek ci ben bokku na man mi ma nek ci en tant que coordinateur ñu gis ne lolu da fay yak ci ligay bo xamanteni ñu ngi koy def depuis beaucoup d'années au niveau de l'Italie et au Sénégal moy jëm fexé ci combat bi ñu nek moy réhabiliter sunu frère le président Karim Wade sunu injustice bi nga xamanteni régime Macky Sall mu ngi ko tek depuis pas mal d'années. Nous n'avons pas de faire, de travailler, jusqu'à ce que les élections soient validées injustement. Pareil pour nous, nous avons projeté au PDS nouveau avec les renouvellements, les ventes des cartes, nous avons dit que nous avons COVID bloqué. Nous n'avons pas de travailler pour que nous parti un élan de familiarité. Nous avons solo dit que nous responsable responsables, nous avons dit que nous avons de l'Italie. Encore une fois, nous réitérons notre engagement et notre détermination au sein du Parti démocratique sénégalais, à son maître, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, mais surtout à notre frère, le président Karim Maïso. Et nous ramener tout le monde, nous lançons un appel aussi à tous les militants d'Italie et du monde, et du Sénégal aussi, nous ramener cette déclaration concernant le parti au niveau de l'Italie. C'est seulement ce que je veux dire. Nous avons une information, le parti Bifi, nous avons dit que nous engagé. Concernant aussi tous les mouvements de soutien, il faut appeler le président Karim Wade. Donc, nous ne pouvons pas faire une déclaration, nous devons bannir, nous devons cautionner, nous devons faire aussi encore une fois, avec une force, comme nous devons faire Macky Sall, nous devons faire quelque chose pour nous, nous devons faire en dehors de nous, sur une ligne de conduite, nous devons pour le bien du PDS, nous devons faire une déclaration, nous devons faire c'est irresponsable, irrespectueux envers les dirigeants, mais aussi envers les militants, nous devons depuis pas mal d'années, nous devons souffrir sur une injustice, nous devons faire une partie de nous avec le régime de Macky Sall. Donc, je suis très heureux de vous dire que les militants sont au Sénégal et que l'Italie reste encore fort pour les combats à venir pour le PDS, mais surtout sur la réhabilitation de leur frère, le président Karim Maïso Wade, que nous allons accompagner pour les projets de développement pour le bien du Sénégal. Je suis très heureux de vous dire encore une fois, vive le Parti démocratique sénégalais, vive le frère président Karim Wade, vive le Sénégal. Inch'Allah, les grandes victoires sont à venir. Djeri ngeen djeb.